Guénou croit en son avenir et la ville a fait le choix d'investir dans des projets utiles, des projets qui servent l'avenir, des projets d'agrandissement, de réhabilitation et de rénovation de notre patrimoine communal existant. Pas de projets hasardeux et d'investissements disproportionnés. Il s'agit de remettre nos bâtiments existants au goût du jour, de les rendre plus confortables, plus au standard de notre époque. Et nous commençons avec la salle de Kerloïs qui a désormais plus de 30 ans. Il s'agit de la rénover et de l'agrandir au profit de l'ensemble des associations, des sportifs, mais aussi de toutes celles et de tous ceux qui y pratiquent des activités. La salle de Kerloïs, en termes de volume, est une des plus importantes du Finistère. En tant qu'élus, nous avons une responsabilité du denier public. Nous avons donc choisi une réhabilitation de cette salle plutôt qu'une construction nouvelle, car le coût est trois fois moins cher. Cette réhabilitation est un projet majeur, un projet prioritaire de notre mandat. Nous avons également choisi d'utiliser des matériaux nouveaux, car cela permettra de limiter les frais de fonctionnement, tant au niveau du chauffage que de l'électricité. Nous avons voulu retraiter le bâtiment dans ses formes actuelles, en l'améliorant, d'une part par une meilleure isolation des parois verticales. On retraite tous les bardages et on traite aussi toute la partie accès, la partie extérieure, avec un grand parvis sur l'entrée, une identification sur le hall avec une belle entrée bien déterminée, et ensuite des espaces un peu plus dédiés à certaines pratiques, que ce soit pour le dojo avec une terrasse extérieure, ou que ce soit sinon un petit jardin zen à l'arrière de l'établissement pour avoir un espace détente et un espace de relaxation à l'extérieur pour une pratique sportive extérieure aussi lors des beaux jours. Si la technique évolue, l'usage et la pratique évoluent aussi. Nous avons engagé avec le tissu associatif guénousien un schéma directeur des équipements afin de recenser les besoins des différentes sections sportives. Ce travail a généré une expression des besoins nécessaires à l'élaboration d'un programme de travaux. C'est une salle qui a 30 ans et qui demande un rajeunissement, et ce projet va dans le bon sens. On ne peut qu'adhérer à ce projet, et surtout ce qui est proposé est extrêmement intéressant, extrêmement encourageant et propre à développer encore le sport, les activités sportives à Guénou. C'est un beau projet qui va permettre d'améliorer la qualité de nos cours et puis l'accueil des différents adhérents qui va pouvoir pratiquer dans un espace qui aujourd'hui est fermé, va pouvoir être déplafonné, donc va permettre l'entrée de lumière et aussi d'ouverture à l'extérieur pour montrer un petit peu ce que sont les sports de combat. Rassembler les deux dojos pour n'en faire qu'un, c'est vraiment quelque chose, c'est un des grands principes de la rénovation, et c'est pour moi hyper intelligent parce que demain on pourra faire un grand dojo de 350 m² et avec une cloison amovible pour faire deux dojos quand par exemple l'aïkido et le karaté vont faire un cours ensemble. Tout l'espace d'accueil qui va être revu est hyper, hyper important pour le développement de nos associations, parce que l'accueil du public, des parents, des familles, c'est maintenant un point hyper important. Ce qu'on apprécie fortement, c'est la création d'un nouveau clubhouse qui sera en haut des gradins avec une belle vision sur tous les terrains, un espace suffisamment grand pour accueillir les équipes, nos adversaires aussi, puisque le tennis, ça se passe pas que sur le terrain. C'est aussi beaucoup de convivialité en dehors, avant, après les matchs. Ce qu'on attend, c'est aussi la qualité des terrains. Voilà, on voit que les terrains qui sont des terrains spécifiques tennis permettent d'amener des joueurs d'un niveau supérieur. Voilà, et c'est très bon pour le rayonnement du club. On fait un mix entre le loisir et la compétition. Pour autant, c'est la compétition qui tire le loisir et qui fait rêver les plus petits. Dans le speed badminton en France, dans le cross-minton en France,
on est la seule salle où on peut proposer 8 terrains, 8 courts. Ça veut dire que la salle a une superficie quand même assez intéressante. C'est assez conforme à ce qu'on avait demandé, toutes les associations ont confondu, notamment au niveau des espaces communs, les espaces conviviaux, où on va accueillir les gens dans un vrai hall d'entrée, où on va peut-être même attirer un peu plus de spectateurs et de gens de l'extérieur qui vont se sentir un petit peu plus chez eux, un petit peu plus mieux accueillis. Ce projet est destiné aux sportifs, bien entendu, mais plus globalement à l'ensemble du tissu associatif gouinousien. La création de nouveaux espaces de convivialité permettra de désengorger le centre Henri Kefelec très utilisé et facilitera l'organisation de réunions entre les associations très dynamiques sur notre territoire communal. Vous l'avez compris, ce projet est le projet de tous. Il est bâti en concertation avec les clubs, avec les associations, avec les usagers. Tout a été fait dans la concertation, de la définition des besoins au choix des matériaux. Il est important que vous puissiez nous aider parce que vous pratiquez vous-même une activité sportive, parce que vos enfants, vos petits-enfants le font. Il est important que vous puissiez nous soutenir dans le cadre du financement participatif que nous lançons. Et il ouvre droit à une réduction fiscale de 60% de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises du territoire et de 66% de l'impôt sur le revenu pour les particuliers. Alors soutenez-nous. Et aujourd'hui, tous ensemble pour Kerloïs. Alors on est tous ensemble pour la réhabilitation de Kerloïs, tous pour le projet Kerloïs. Tous ensemble pour Kerloïs. Tous ensemble.